Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui. On est lundi 7 juin et il est 10h42. Je me suis réveillée, ça fait un petit moment et j'ai déjà pris le petit-déj. Et là, en fait, j'étais posée. J'étais en train de regarder un peu la télé avec Ali. Donc écoutez, je vous prends avec moi pour cette nouvelle journée ensoleillée. Il n'y a rien de particulier de prévu, hein. Ça va être une petite journée toute simple. J'ai juste envie de m'apprêter un petit peu. Il fait hyper beau. Ça donne grave envie. Et si je vous dis pas de bêtises, eh ben, il va faire beau un petit moment là. Donc c'est assez chouette. Donc écoutez, là, on a un petit peu de paperasse à faire. On profite de faire ce genre de choses quand les filles sont à l'école parce que c'est un peu plus calme. Donc plus simple. Sinon voilà, je vais vous ramener avec moi pour cette nouvelle journée. C'est parti, let's go. Là, je suis contente parce que la paperasse est faite, donc c'est grave une bonne chose. Et en plus, c'est quelque chose qu'on repousse, mais vraiment tout le temps, je vais pas vous mentir. J'arrive pas à rester debout longtemps. Donc là, ce que je vais faire, c'est... Il y a un colis ? Dépose le loulou. Ce que je vais faire là, c'est que je vais passer un petit coup d'aspi dans toute la maison et que après je vais me préparer ou déjeuner et me préparer. Je sais pas trop encore. Après, il y a de quoi manger. Là, j'ai que à réchauffer. Donc ça, c'est plutôt chouette. Et je vais également vous montrer une petite commande H&M que j'ai faite. Il n'y a pas énormément de choses, mais c'est des trucs que j'ai trouvé trop trop beaux. Donc voilà, j'avais envie de vous les montrer tout simplement. Du coup, je m'en vais faire mon petit aspirateur et je vous reviens. Je vous retrouve pour aller me préparer un petit peu. On a déjà mangé et tout. Et après, là, il est déjà 13h. Et si vous voulez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller déposer Inaya à l'école. Donc elle reprend à 14h. Et après, on va aller faire un petit tour avec Ali et Laina Rose parce qu'il fait beau. On va faire vraiment un petit tour dans le sens où Ali, faut qu'il parte bosser à 16h et que moi, après, je devais devoir aller récupérer Inaya. Donc, on va pas forcément aller très très loin ou quoi. Mais peut-être se balader un petit peu en campagne ou en vrai, je sais pas vraiment encore. Je me suis juste dit que j'allais faire un petit peu mon teint. Je vais peut-être pas faire grand chose, mais au moins mon teint, mes sourcils et tout. Enfin voilà, me donner un petit peu bonne mine parce que j'ai l'impression d'être vraiment terne et. Surtout très 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 marqué au niveau des cernes. Je sais pas si ça se voit autant en fait à la caméra, mais avec la lumière c'est vrai que j'ai pas l'impression. Mais en soi, j'ai juste envie de me donner un petit coup de fraîcheur. Donc je vais vous laisser en image, je vais m'apprêter un petit peu et puis de toute façon on se retrouve pour la petite sortie. Scared to leave her all alone.
Avant de sortir, j'allais vous montrer vite fait ma petite commande H&M. J'ai pris que des robes. Alors, j'ai pris cette robe en trois fois en fait. Je trouve qu'elle est trop mignonne. Celle-là, elle est un peu petite comme vous vous rendez compte. Celle-ci, ça va être pour, comme je vous disais, la fille d'une de mes meilleures amies en fait, que je vais enfin rencontrer. Du coup, j'avais envie de lui prendre des petites bricoles. J'ai pris la même chose pour Inaya et pour Leïna. Et en fait, c'est vrai que dans cette gamme de robes, c'est vraiment ce modèle, parce qu'il y a énormément de modèles. C'est vraiment celui-là que je trouvais vraiment chou pour l'été, les couleurs et tout, c'est coloré, bref. J'ai vraiment beaucoup aimé. Ensuite, j'ai pris une robe pour Leïna Rose. Donc celle-ci, elle m'a coûté 12,99€. Je l'ai pris en 2-4 ans. Et en fait, j'ai trop aimé déjà la matière. Je pense que ouais, on voit suffisamment ce que c'est. La matière, elle est trop bien. C'est une jolie petite robe rose. Je trouve que tout est parfait. La longueur, etc. Enfin bref. Trop jolie. Et en fait, c'est la petite robe que mettra Leïna Rose pour la Gender Reveal. Donc elle sera en rose. Inaya, je lui ai pris du coup une robe aussi pour la Gender Reveal. Donc la robe, elle est comme ça, vraiment j'aime trop, les manches sont trop belles, le haut est trop belle. C'est resserré ici et ensuite c'est beaucoup plus large, enfin voilà, vous voyez comment c'est. Donc ça, c'est une petite robe bleue pour Inaya. Et le dos aussi, il est trop mignon, il y a un petit truc comme ça, enfin voilà, c'est trop chou. Et du coup, je l'ai prise pour la Gender Reveal. Donc Inaya, elle mettra du bleu, Leïna mettra du rose. Et j'ai également pris la même robe pour Leïna parce que j'avoue, j'ai trop aimé. J'ai trouvé qu'elle était trop belle et puis de toute façon il y aura plein d'occasions là pour mettre des jolies robes. D'ailleurs j'ai tout un portant à trier avec des robes d'été et franchement faut vraiment que je le fasse. Alors là je vais me laisser pas beaucoup de temps, je vais tout marquer, j'ai trop de trucs à faire niveau rangement, tri, etc. J'ai tout laissé depuis ma grossesse donc ça fait un moment maintenant et j'aimerais bien trier toutes les robes, tout vraiment tout, comme ça ce que j'ai à donner je le donne et je fais de la place pour les nouvelles choses tout simplement. Simplement comme ces robes là et puis je pense que je vais en racheter plein parce que les robes l'été j'aime trop ça pour les filles. Et faudrait également que je range mon portant à moi donc qui est là, plus surtout ce côté là que vous voyez. Il y a des vêtements encore là que je vais donner, les coussins en vrai ils ont rien à faire ici, il faut les mettre dans mon lit, mais même la boîte hein, j'ai vraiment tout enlevé, vidé un petit peu, ça va faire grave du bien. J'aime bien que l'été tout soit vide, spacieux, propre, que ça sente bon. J'aime trop ça. Même la table du salon, voilà, changer de sens. En fait, chaque été, on la met de l'autre côté parce que ça nous donne plus de place et que le salon soit encore plus spacieux qu'habituellement. Or que hors été, ça me dérange pas plus que ça. Donc bref, je vais faire ça en tout cas. Et puis écoutez, là, on va pas tarder à sortir. On va probablement, comme je vous disais, aller en campagne. Je vous ramène avec moi. Bon, là je vous retrouve, le programme de cet après-midi a complètement échoué. En fait, je vous explique, on est parti déposer Naya à l'école, on devait mettre de l'essence, aller balader en campagne. Sauf que quand on a voulu redémarrer, la voiture de Ali, puisqu'on est parti que la voiture de Ali ne redémarrait plus. Du coup, je suis partie chercher ma voiture et franchement, marcher de l'école à ma voiture sous cette chaleur enceinte, là je vous cache pas que ça m'a mis un coup. Franchement, j'étais KO. J'avais comme un genre de point de côté en bas de mon ventre. Genre, enfin bref, voilà. Là, du coup, on va essayer d'abord les câbles. Si jamais c'est que ça va, autrement je vais aller avec de l'essence. On a un genre de tank exprès, je sais pas comment ça s'appelle, mais en gros c'est un truc qui est exprès et sécurisé pour pouvoir mettre, enfin transporter en fait de l'essence ou voilà du diesel quoi. Et à ce moment là on le mettra dans sa voiture. On se dit c'est peut-être ça, vu que l'essence est quand même relativement faible. On savait qu'il fallait le faire maintenant, mais écoutez, on va voir. On essaie d'avoir le coup de câble, mais du coup, on n'aura absolument pas assez de temps pour aller se promener en campagne ou quoi. Enfin, c'est mort. J'ai un peu triste parce que j'avais trop envie de me changer les idées et tout. Mais bon, c'est pas grave. Voilà, valait mieux que ça arrive maintenant et que là, je puisse faire quelque chose avec ma voiture, potentiellement aller prendre de l'essence ou essayer un coup de câble, plutôt que tout à l'heure, quand elle serait partie travailler, ça aurait été une galère parce que à ce moment-là, on aurait tous les deux besoin de nos voitures, en fait. Donc voilà, on essaie de voir ce qu'il en est. De toute façon, je vous tiendrai au courant. Bon, pour vous faire un petit récap de ma galère, ce qui s'est passé, c'est que là, on est parti mettre de l'essence. Du coup, Ali est en train d'en mettre dans sa voiture. J'en ai profité pour en mettre également. J'avais plus qu'une barre, ça m'a fait paniquer un petit peu.
Et pour les câbles, on n'a pas pu tester avec ma voiture. En fait, Ali l'a tiré un peu fort sur la petite manette qui allait ouvrir le capot avant. Et en fait, ça me l'a un peu défoncé, je crois, parce que du coup, ça n'ouvre plus le capot avant. Maman, Oui, je t'aime aujourd'hui, plus que tout moi aussi, je t'aime plus que tout le monde, mon amour. Aujourd'hui, autant dire, c'est pas trop notre journée avec les voitures. Sans compter que à plusieurs reprises, là, ma voiture n'a pas démarré. Et moi, par contre, je pense que j'ai un petit souci de démarreur parce que c'est pas la première fois que ça saute comme ça. Donc, bref, écoutez, ça va être le verdict. Il démarre. Ali? Ali? On fait la... Putain, moi je démarre pas. Attends. Bonjour, elle Mais là marche. t'es en neutre. Maman, ta voiture elle marche. Papa. Attends. Est-ce C'est où ça? que aussi ta marche? Attends, vas-y, j'ai mis un pour voir. Elle démarre. C'est une blague. La vérité, Ali. Ouais. Ça me fait ça tout à l'heure quand je cherchais neige, je paniquais de ouf. Éteindre directement ou la rallume, ça me fait pas ça. Vas-y, attends un peu. Vas-y. Mais en fait, regarde, est-ce qu'il y a un message qui me dise quelque chose? Ouais, rien. À part la batterie, mais c'est pas la batterie. Ils disent la batterie? Ouais. Ouais, bon. Si, peut-être que c'est la batterie, parce que ça me le fait à chaque fois que j'ai ma voiture allumée. Si, c'est possible. Non, mais si la voiture elle est allumée, justement, ça va pas le faire. Bah, moi, à chaque fois que je la laisse allumer, ça me dit que la batterie. La parce que quand mais allumée, la batterie, en fait, c'est juste pour démarrer la voiture, après c'est fini. Hein. Bah, elle démarre même pas. Tu n'utilises pas la. Bah, ouais. J'ai éteint la bébé, j'ai éteint. J'ai éteint ça. J'ai éteint. Papa, maman, ta voiture elle a marché? Non, là elle remarche plus, bébé. De toute façon, c'est forcément la batterie. Parce que, à part la batterie, qu'est-ce qui repartirait comme ça? Bon, bébé, il faut essayer de rouvrir, mais mettre un peu de batterie. La merde. Aujourd'hui, ouais. Bébé, je sais, je t'ai passé. Mais je te l'ai dit plusieurs fois, ça me faisait ça. Mais moi, c'est possible, c'est le démarreur. Hein. Ça fait même pas un an que j'ai acheté ma voiture, je suis deg. Ouais. Bon, on essaie de régler ça. Puis je retrouve. Bon, on est passé à Carter Cash. Enfin, moi, je suis obligée de rester dans ma voiture. Là, en fait, vous voyez Ali. Il est au téléphone, mais il voit avec mon cousin qui est mécano. Enfin, qui était un ex-mécano. Bref, on passe à Carter Cash. Pour ma voiture, c'est probable que ce soit la batterie. Donc, on va voir. Et pour celle d'Ali, peut-être le démarreur. Franchement, on est bon. Genre, j'arrive même pas à comprendre comment ça se fait que nos deux voitures nous lâchent le même jour. Enfin. Le niveau de malchance là il est hyper élevé quoi. Je me dis mais nos deux voitures le même jour et Ali doit aller bosser donc on sait pas du tout comment est-ce qu'on va s'organiser. Enfin bref, écoutez, on fait du mieux. J'espère Inch'Allah que tout à l'heure ce sera réglé. Je vous retrouve à la maison et il est 15h58. En fait ça a été que galère sur galère depuis tout à l'heure. Ma voiture elle part en cacahuète, celle d'Ali elle est complètement partie en cacahuète aussi. Comme vous avez vu tout à l'heure quand j'ai essayé de redémarrer ma voiture après que la sienne a démarré, la mienne ne démarrait plus sauf que la sienne aussi en fait elle s'est éteinte et elle n'a pas redémarré. Donc on se retrouve avec deux voitures défaillantes sachant que, enfin moi en tout cas ma voiture elle est entretenue, genre je fais ce qu'il faut, enfin il y a rien, enfin a priori ils sont censés avoir rien. Donc après vraiment je pense 20 minutes j'ai réussi à la refaire démarrer. Après j'ai plus du tout éteint le moteur, on est parti à Cash, je sais plus comment ça s'appelle, mais bref, pour acheter un démarreur. Il n'y en avait pas pour Ali, il n'y en avait pas pour moi non plus, donc on est reparti sans. J'arrive pas à savoir si possiblement ça peut être un problème de batterie, mais vraiment je sais pas. Du coup, là Ali il a pris ma voiture pour aller bosser, il finit à 22h et quelques. Donc en vrai quoi qu'il arrive, je pense qu'aujourd'hui il aurait pu se débrouiller même s'il serait quand même arrivé en retard au boulot. Mais le problème c'est que par exemple demain il termine plus tard et à l'heure où il termine il n'y a pas de train qui vient vers chez moi. Et même, enfin, même peu importe en fait s'il se rapproche, on n'a aucun autre moyen du coup de bah, qu'il rentre à la maison, ça devient vraiment hyper compliqué. Et le truc c'est que je peux même pas aller le chercher à une gare ou un bus puisque ma voiture potentiellement peut ne pas démarrer aussi.
Donc là, on se retrouve vraiment en PLS, je vous jure. Ali, il a un rendez-vous hyper important, un rendez-vous médical demain matin à 10h sur Paris. Je sais pas comment faire. Entre-temps, il faut ramener les enfants à l'école et les récupérer. Là, je l'ai fait une fois à pied et je peux vous dire que je suis pas capable physiquement là de refaire. Enfin, voilà, vraiment physiquement, je suis pas capable. Ma santé, elle suit pas. J'ai hyper mal au ventre. Depuis tout à l'heure, je suis en train de contracter. Ça me stresse. Je me dis, je contracte de ouf. Je suis toute seule chez moi. Excusez-moi, j'arrive pas à parler, je suis trop, je crois que je suis trop stressée, je suis sur les nerfs, j'ai les larmes qui montent, mais ouais, je contracte, du coup je vais juste prendre le temps pour moi là de me poser et tout. Les filles, elles sont adorables, donc ça va aller. Et je sais pas, voilà, Ali a rendez-vous mardi hyper important, moi j'ai rendez-vous à la maternité mercredi, bien évidemment tous nos rendez-vous médicaux sont sur Paris, hein, sinon c'est pas drôle. Donc il faut qu'on s'organise hyper rapidement. Donc je vais voir, il y a mon cousin qui va potentiellement passer voir ce soir. J'ai un de mes beaux-frères aussi là qui va devoir passer, il habite pas loin. Donc ça c'est vraiment un avantage d'avoir nos proches, enfin certains de nos proches à côté, parce que vraiment ils sont toujours là. Et du coup là je crois qu'il y a un de mes beaux-frères qui va passer. Et puis on verra, il faut trouver des solutions. Et on va en trouver de toute façon. C'est juste que ça tombe tellement mal, si vous saviez. Après je me dis, alhamdoulilah, c'est que matériel. Mais disons juste qu'en ce moment c'est déjà une période qui était difficile. Et là de rajouter quoi que ce soit, bah c'est chiant en fait. Mais bon, c'est pas grave, alhamdoulilah, nous on va bien. Donc on va trouver des solutions pour les deux voitures qui sont tombées en panne le même jour. Là ça va. Le paquet. Quel paquet mon loulou? Le paquet que j'ai pris. Tu veux quoi chérie? Que papa t'a donné tout à l'heure? La barre de céréales, bon, attendez deux secondes s'il vous plaît. Ilana, elle veut des barres de céréales. Ça va, je me sens un petit peu remise de mes émotions. Ça a été un gros coup de stress. Mais sérieusement, là, ça va. Je vais me faire un petit café. Je vais aller me poser avec les filles devant une nouvelle émission. Là. C'est quoi, Ilana? Famille de champions de footballeurs. Ah. Et il y a même une équipe qui joue en France et à Paris. Ah oui? Oui. Donc voilà, je vais aller me poser, je vais regarder ça avec les filles. Naël est en stress aujourd'hui. Elle me dit que c'était pas une très bonne journée. Je lui ai dit non, c'était pas une très bonne journée. Mais alhamdoulilah, quoi qu'il arrive, hein, puisque franchement, je sais qu'il y a vraiment pire. Lovely nights, paradise with your soul, crushing it to mine. How could we be so dumb to let's fall like that? Never drink, cause I know if I did, I'd call you every time. Baby, I'm a fool to let's fall like that. I know I'm not perfect, but you know that you'd rather be right next to me. All I want is for us to be happy, but maybe we don't know what love is. Là je vous retrouve un peu plus tard. Pendant que je regardais la télé, je me suis dit que j'allais faire un petit coin terrasse où on pourra au moins se poser, prendre le petit déj, le goûter, un café, peu importe. Il commence vachement à faire beau et que j'avais juste trop hâte en fait de mettre ma petite table dehors. Mais mon amour, le truc étant qu'à la cave j'ai grave galéré, je suis partie avec Inaya pour qu'elle m'aide. Mais en soi j'ai pu monter une des chaises et la petite table. Mais il manque encore une chaise que je n'ai vraiment pas pu prendre, c'était pas possible. Donc ça je laisserai Ali le faire. Après j'en ai profité pour nettoyer toutes les vitres, pour faire un coup d'aspi partout dans la terrasse, pour mettre également de l'insecticide. J'ai pas le choix parce qu'il y en a vraiment trop en fait. Et là comme ça au moins je suis tranquille. Si je veux pouvoir profiter de ma terrasse, je suis obligée de mettre un peu d'insecticide. Donc voilà, c'est hyper dommage, mais je vous jure qu'autrement c'est invivable. Oui mon amour, j'ai vidé quelques trucs que je pouvais et que j'ai descendu à la cave. Autrement je pense qu'on fera ça, enfin Ali fera ça vraiment prochainement. Mais je suis contente, là il y a un coin propre si on veut se poser tranquille et tout, c'est chouette. Donc écoutez, voilà un petit peu ce que j'ai fait depuis tout à l'heure. Mais j'avais envie de le faire, donc je suis contente. Là je suis en cuisine, pour Ali j'ai fait du riz, il y a des lentilles, des oignons, un peu d'huile et de sel également dedans. Pour Inaya et moi c'est du poulet miel moutarde avec deux petites baguettes que j'ai mis au four. Donc là je vais me faire des petits sandwichs samouraï, fromage, tomate, tout simplement. Pour Laïna c'est des pâtes et du fromage, on a tous un menu différent. Et pour Ali ce sera le riz et j'ai du poisson en sauce au frigo. Donc voilà, pour Inaya et moi ça va être léger, c'est pas plus grave, léger. Ça va être en mode sandwich quoi. Donc nous on va aller manger, après je vais coucher les filles. J'ai pris du retard hein. Aujourd'hui il est 19h30. Habituellement à cette heure-ci les filles sont au dodo. Hein. Et je suis un peu décalée de toute ma journée, puis j'ai
ce mal de crâne qui veut pas partir. Donc bon, voilà, je fais les sandwichs et puis de toute façon je vous retrouve une fois que les filles seront goûtées. Mais de toute façon j'ai plus grand chose à faire, je pense, là dans ma journée. Là je reprends un petit peu plus tard, il est 21h30. En fait j'ai mon beau-frère qui vient tout juste de passer à la maison. Il a récupéré les clés de la voiture de Ali et il a un ami mécanicien qui l'accompagne. Donc ils vont essayer de voir comme ça dans un premier temps quel pourrait potentiellement être le problème. On a quelques idées, mais bon, il va voir ça avec un vrai mécano. Si ils peuvent nous ramener la voiture à la maison, ce serait genre trop bien, mais je suis pas trop sûre vu la situation. Je vais me poser, je vais continuer à faire du montage. J'ai commencé déjà, donc je vais me poser vite fait en terrasse. J'étais en train de parler avec une voisine en fait là, donc c'est vrai que j'ai pas avancé sur le montage, mais là je vais le faire. Et Ali termine dans une demi-heure, donc dans le meilleur des cas, il les rejoint. Puis écoutez, on verra. je vais faire un petit montage, mais on se retrouve. Bon, là les filles, il est 22h52, je vous explique un petit peu. J'ai mon beau-frère qui est venu avec un mécano, qui sont partis voir la voiture de Ali, donc ce serait une courroie qui aurait pété, et du coup la voiture s'est mise en sécurité, et c'est ça qui fait qu'elle ne démarre pas et tout. Ils ont finalement, par coup de chance, réussi à la démarrer à un moment donné. Donc la bonne nouvelle, c'est que la voiture, elle est devant chez moi, donc ça c'est chouette. La mauvaise nouvelle, c'est qu'on ne pourra pas la rouler. Et étant donné qu'avec Ali, on a une semaine chargée en rendez-vous, et que jeudi matin... En fait, là, le mécano, il est à la maison. Enfin, il était à la maison, il a vu la voiture d'Ali, il est en train de voir la mienne. J'ai pas encore de diagnostic de ce qui va passer dans ma voiture, par contre. Mais en gros, mon beau-frère, il m'a dit qu'il allait me trouver la pièce. Jeudi, Inch'Allah, si tout va bien, on fait ce qu'il faut pour la voiture de Ali. Et en attendant, j'ai le cousin d'Ali. En fait, j'ai vraiment une belle famille, mais vous n'avez pas idée. Bref, en or. Le cousin d'Ali, du coup, dépanne sa voiture en attendant pour qu'on ait au moins une voiture. Donc, ouais, heureusement que ma belle famille s'occupe de tout. En fait, vraiment, je leur ai dit. Et c'est comme s'ils avaient pris toute ma charge mentale, en fait. Ils se sont occupés absolument de tout. Mes deux belles sœurs, elles me trouvaient 10 000 solutions. Elles étaient au taquet. Enfin bref, avec elle, de toute façon, avec eux, ma belle famille, il y a toujours une solution pour tout. Donc là, pour eux, la solution était vite trouvée. Il n'y a pas de raison que je me stresse et que je m'angoisse ou quoi. Puis en vrai, c'est vrai, hein, c'est que matériel, c'est juste que là, ça tombe super mal, quoi. Mais c'est toujours comme ça, de toute façon, ça tombe toujours très mal. En tout cas, je vais m'arrêter ici. J'espère que ma vidéo vous aura plu. Enfin non, c'est bizarre, genre que vous vous réjouissiez que j'ai plus mes voitures. Non, j'espère que... vous avez bien aimé, même si c'est pas cool tout ce qui s'est passé, hein, voilà. Voilà, je vous ramène avec moi de toute façon pour suivre mes nouvelles aventures dans les jours à venir. Je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et à très très vite.